Alors, on reprend donc pour l'épisode 4 de Ravenloft, la demeure de Stade. Alors, on a notre fameuse Irina, qui a le même portrait que moi et qui, en plus de ça, est genre 8 levels en dessous. Bon. Là, on a Henry Kettle. Kelton. Ah, grâce à Dieu, vous n'êtes pas ce nain complètement fou. Ne vous inquiétez pas, je suis venu vous aider. Que s'est-il passé? Eh bien, en fait, j'étais chez moi au village de Barrowville lorsqu'une nuit j'ai entendu frapper à ma porte. Lorsque je suis allé ouvrir, il n'y avait personne, mais quelqu'un avait gravé une croix sur ma porte. Une croix? Oui, et la nuit suivante, entendu un grand fracas, j'ai découvert que la porte avait été détruite à coups de hache, et pas de trace du coupable. Mais sur la porte de ma chambre, il y avait une croix gravée à nouveau. Je commençais à m'inquiéter, bien évidemment, et la nuit suivante, il est revenu fracasser la porte de ma chambre qu'il avait marquée la veille. J'ai essayé de lutter avec lui, mais il m'a facilement assommé. Lorsque j'ai repris connaissance, je me suis retrouvé ici. Il m'a marqué le front d'une croix. Parce qu'il avait tension pour casser le crâne, il voulait pas lui tendre une embuscade, je sais pas, planquer chez lui, il lui tombait dessus. Et il est très bon l'enfant la nuit suivante, alors il s'est absenté pendant la journée, et j'ai voulu m'enfuir. Mais ce malade a utilisé les restes de ses victimes pour fabriquer ses horribles golems de chair, je n'ai donc pas pu m'enfuir. Heureusement, vous êtes arrivé. On n'a plus rien à craindre, vous pouvez partir maintenant. En effet, mais ce sera pas gratuit. Oui, bien entendu, je comprends. Venez me voir chez moi au village de Barovie, je récompenserai comme je pourrai. Eh bien oui. Ah mais l'élémentaire d'eau là, qui fait 3 tonnes et demie. Ouais, donc le mec avait littéralement un souci. Mais il est fou. Oh! Ça a pesé 3 tonnes. Arnois. Mademoiselle. C'est cadeau. Attends, parce que je crois qu'elle va pas avoir rien porté. Si je ne retire pas l'armure. Oui. Vu qu'elle a la force d'un enfant de 6 ans, on va pas aller loin. Alors, bah en tout cas, je crois que j'avais tout fouillé ici. Ah, non, il y a une porte là. Faut voir la gueule que t'as un peu. Bon, au moins, elle est nulle. Mais elle a clairement le mérite d'avoir la classe. Ouais, elle est classe. L'armure est cool et tout, avec son bouclier, machin. Oui, bon, voilà. Ah, mais j'ai mis les armures lourdes parce que, au moins qu'elle tanque, parce que, vu qu'elle est. Elle est un peu plaquée, tu as compris. En voilà une quête rondement menée. Alors, on va peut-être continuer avant de revenir au village parce que bon. Là, on va faire que des allers-retours. Jean vampire jeune fille. Bonjour. Je réclame votre protection. Ah non, hein, tu vas pas commencer à t'enfuir toi. Ah, c'était sûr. Je m'y attendais. Je m'y attendais, je voulais justement voir un peu. Encore à corps, mais oui, ils absorbent des niveaux. Parce que elle, vraiment, si elle se fait absorber des niveaux, je te raconte pas. Hein. Elle est vraiment dans la merde. Ah, la prédiction est ouais, exotique. Elle a quand même spécialisation martiale, mais. Bon.
plus, on n'a pas beaucoup d'interactions possibles avec elle. Mais bon, c'est pas grave. Non, Laxter et Château Ravenloft. Alors, juste pour qu'on se resitue. Il semble qu'il était possible pour être trouvé un cerveau dans le tombeau de Tolian Hydrovich dans le centre de la forêt de Svalich. On est dans la forêt de Svalich, on pourrait trouver ça. Forêt de Svalich Nord. Ces conneries de nord et de sud, selon comment on les tournait, ça change tout. Alors. Regarde si on n'est pas beau avec mon gang là. Mon gang. Il s'enfuit. Quel margoulin. Voilà. Il fait absorber un niveau, deux niveaux. Trois niveaux. Balancer le sort. Il y a la flemme. Ok. On a eu les loups, on a eu des spectres. Là, par contre, il fait vraiment dark. Hein. Ça, c'est, ça rigole pas. Hein. Vous allez me remettre en place. C'est pas super sympa. Force de taureau. Sachant qu'elle a de la force de merde. Elle a les niveaux absorbés en plus. C'est un peu abusé. En fait, elle peut pas mourir. Ça va du coup? Oui. De renouveau parmi nous. Hop. On voit vraiment rien. Hein. On voit
quoi, agent? Rien du tout. C'est Dark, un ours. Je réclame votre protection. Mais réclame ma protection. Empêche les monteurs de feu qui fait pas de lumière, c'est quand même terrible. Quel vilain. Quel vilain. On va explorer cette forêt. Une cascade. C'est bien dark. Après, l'ambiance est cool hein, dans le module. C'est vrai que c'est assez sympa. Tout le délire avec les vampires. Même les bouillards un peu rouges et tout, etc. J'aime, moi, j'aime bien. Hein. C'est sympa en tout cas pour l'instant. Ah! Oula! On a un tombeau! C'est pas le tombeau. Le temple en ruine. Je vais sauvegarder. Là où j'aurai un souci. Hop, temple. On a Gunak juste devant. Bonjour Gunak. Votre passe, s'il vous plaît. Très bien, vous pouvez passer. N'oubliez pas de mettre les vêtements de cérémonie dans le vestibule. Ou alors les golems vous tueront à vue. N'oubliez pas que vous devez porter les vêtements et le casque cérémoniel officiel. D'accord. On a une horloge solaire. Il est 7h. Le soleil se couche tôt ici. Bon. Rentrons dans la secte. Hein. C'est le casino de New Vegas. Bonjour. Écoutez, moi je vais vous maroufler des trucs, hein. Ça vous dérange pas? Non, mais on sait jamais si je perds mon casque. On n'est jamais trop prudent. Voilà. Non, je devrais pas me faire emmerder. Putain, quelle classe. Bonjour les golems. C'est golem royal. Oh là 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 là, mais on n'arrête plus le progrès. Bonjour, je viens piquer des affaires. Ouah. Je crains d'être trop chargé. Parce que le fléau d'armes lourdes plus 1, il devait valoir son petit pesant de cacahuètes. Donc je vais plutôt prendre ça. Et alors, découvrons cette secte, ma foi fort étrange. Geôlier de la secte. Prisonnier. Je pourrais avoir les clés. Je vois. D'accord. Christina. Tu peux lui parler à cette dame? Oui. Bonjour, initié. Que désires-tu? Qu'est-ce qui se passe ici? Tu ne le sais pas, tu dois être nouveau alors.
Eh bien, les esclaves qui sont ici, des offrandes que nous ferons au Seigneur Noir lorsque notre maître l'aurait réinvoqué parmi nous. Des offrandes? Je vois, j'ai d'autres questions. Qu'est-ce qui se passe dans la salle de fond? Il y a diverses affaires et papiers assis que la masse du gong qui nous sert à contrôler les golems. Mais tu peux pas avoir accès à cette salle, afin cela, tu dois prendre l'avancement dans la confrérie en remplissant des missions pour nous. Il faut remplir quelques missions pour nous. Es-tu prêt à accomplir une tâche? Oui, je suis prêt. Très bien, nous avons besoin d'une dague de sacrifice pour la cérémonie à venir. Mais il ne me faut pas n'importe quelle dague. Il y a quelqu'un au village de Bavouri qui possède une telle dague. C'est un ancien prêtre de notre ordre qui nous a trahis récemment. Allez le voir dans sa maison à l'est du village, tuez-le et ramenez-moi la dague. Le prêtre s'appelle Karadine et c'est un nain. J'y vais tout de suite. Ouais, ok. Et c'est le gong. C'est pas un gong plutôt? Il y a du beau monde, hein. Non, désolé. Impossible. Impossible. Impossible n'est pas à l'Ariel, attention. Et elle qui se balade comme ça avec son armure. Nous sommes des infiltrés. Personne ne le sait. Non, désolé. Il y avait une pièce, l'ami. Putain, mais la vache, ils sont combien? Parce que genre... il me dit la secte et tout, putain, comment tu veux que je les tue s'ils sont 15 milliards les mecs? C'est terrible. Ils sont beaucoup trop nombreux. Oh, il fait jour. Eh bien. Ma foi. On a retrouvé la dague sacrifice. J'arrive toujours. Bon, on va essayer de voir ce que ça donne la confrérie. Rejoindre les côtés dark, tu vois. Je réclame votre protection. Tu peux le faire, mais en attendant, t'as rien fait. Donc tu es vilaine. C'est pas bien. Alors. Allons affronter le village. Allons dans le village de Barovi. Bonjour. Bon ben on va aller au temple. Mais en plus, c'est que c'est un coquin alors, parce que... Comment dire, il a trahi leur ordre. Après, peut-être qu'il faut, comme il faut gagner la confiance de la confrérie, peut-être qu'on peut les trahir ensuite, que ce soit plus simple de les avoir. Après, ils sont 15 milliards. Ils ont réussi à capturer plein d'esclaves, etc. Mais par contre, ils ont oublié la dague, quoi. Oh bah non, trop relou,
Ah là là. C'est difficile hein, de tenir une secte. C'est pas toujours simple la vie. Hein. Le temple, on dirait une grange d'extérieur. Tu rentres dedans, c'est un putain de truc en pierre. Hein. Ah oui. Dans la partie est. Oui, je suis con, j'ai pas lu correctement, mais oui. On parle pas du prêtre Donovan. On accède par le sud à la partie est quand même. Je tiens à le dire. Alors. Maison de Caradine. Tu es donc. C'est donc toi le coquin traître? Le fiefé coquin? Caradine gronde marteau. Chez moi. Vous... Je cherche une dague de sacrifice, vous n'en auriez pas une. Bref, une, mais pourquoi vous la donnerez? J'ai un plan pour détruire la secte à laquelle cette dague appartient, mais j'ai besoin de récupérer cette dague avant tout. Voilà, on peut faire ça. Je leur avais pris pour empêcher de nuire, mais si vous avez un plan, je vais me risquer à vous faire confiance. Prenez cette dague, foutez le moi-camp d'ici. Vous êtes pas très sympa, monsieur, hein, quand même. Hein. Dague de sacrifice. Ou alors... Ils font un triple jeu. Ils s'attendent à ce que je n'ai pas tué le gars et que j'essaie de les infiltrer. Et du coup, ils me tendent un piège. Et là, ça s'arrête plus. C'est Inception après. Allons par là. Allons-y. Alors là, on a la dague. Bien le bonjour. Oui, je vais me reposer, tiens. Pourquoi t'es lent comme ça? Et pourquoi tu pars de l'autre côté? Je sais pas ce qui se passe encore. Il s'est foulé la cheville, ça y est. Il a bobo. Alors. Alors, on a la dague. C'est parti. Super, niveau absorbé. Ah bah ils sont énervés hein. Non mais attaque toi. Laissons faire. Assez vénère. Hein. Forme gazeuse.
Ça y est, le mec, c'est de l'eau Perrier, c'est bon. Il y a des bulles, ça pique. Attention. Faut s'habiller correctement. Sinon après ils vont pas être contents. C'est bon, j'ai mis ma tenue pour intégrer le club échangiste. Hop là. Moi j'arrive avec ma petite dagouze là. À mon avis, les golems, ça va pas être simple à buter, hein. Et la Christina. Christina Aguilera, là. C'est magnifique, je dois avouer que je ne croyais pas que tu serais capable. Reviens me voir quand tu seras prêt, j'ai un autre travail pour toi. D'accord, mais j'ai des questions. Je suis prêt. Les cheveux d'une nymphe. Je crois qu'il y a une nymphe dans la forêt de Svalich. Tu ne sais pas où chercher, va te renseigner auprès du capitaine de la milice à l'ouest du village de Barovie. Je crois qu'elle a perdu de nombreux hommes à cause de cette nymphe. Très bien, je m'y rends. Pousse-toi! Je lui avais déjà parlé. Enfin, mais charmé. Et que Charles n'a pas fonctionné sur la milice car c'est une femme. Hein. Putain, mais c'est trop chiant, qu'est-ce que vous foutez? Elle aimerait que j'aille m'occuper de ces hommes avant qu'elle fasse du mal à la population laquelle se trouve vers l'est, dans le bois de Svalich. Si je me rends dans la forêt est depuis la route de Svalich, son nom se trouve plus au nord. Ok. La route de Svalich, c'est ça? Non? Si je me rends dans la forêt est, et puis la route de Svalich, son antre se trouve plus au nord. On dirait une énigme, le truc. C'est faites 4 pas à gauche vers l'est, ensuite sautez à cloche-pied sur la plaque de pression. Non mais en vrai, attends. L'un se trouve vers l'est, dans les bois de Svalich. Si je me rends dans la forêt est, depuis la route de Svalich, son nom se trouve plus au nord. Tandis que je m'y rends. Sinon, on retourne au village de Barovie Est. Ah ben oh! On va faire ça au pire. Faites pas les oufs. Moi je vous dégomme moi. Moi j'ai mon gang là. Ah mais sinon à partir de... Barovich Est hein. Explorer un peu par ici. Oh, des loups. Un loup noir. Putain, je me fais attaquer par un ours. Alors, l'ours, il est plutôt brun que noir, hein, mais après, bon. Je suis pas un spécialiste de la faune, mais. Et de la flore. Le hamac. Le mec est mort sur son hamac. Ah, mais trop relou, ouais.
Au moins, il est mort posé, quoi. Avec son petit hamac et tout à l'ancienne. Des spectres. Des spectres. Attaquez le spectre. Nous, on déglingue toute la faune et la flore, quoi. Vraiment, genre, on tue tout le monde. Tandis que je me rends depuis le village de Barovie Est, c'est plutôt au sud. On va aller au village de Barovie Est. Hein. Comme ça, on repart d'un point et on suit. Ce sera peut-être plus simple. Let's do this. Alors, bonsoir. La maison Philips. Peut-être qu'ils vendent des télés là-bas. Alors. Ah déjà, on pourrait peut-être passer au temple. Histoire qu'il m'enlève mon niveau absorbé là. De toute façon, par le temps, ensuite on peut accéder à l'est, hein, donc c'est pas un souci. Alors. Oui, non, c'est là. Oui, c'est là. C'est en bas. Donc on va juste aller voir le prêtre pour qu'il m'enlève ça. Là. Bonjour Donovan. Voilà. Merci. Comme ça on peut repartir à l'aventure. J'ai plus ce putain de niveau absorbé. Allons vers l'est. Pour accéder au village de Barovie Est, veuillez vous diriger vers le sud. Écoutez, je ne sais pas. Si je me rends depuis le village de Barovie Est, c'est plutôt au sud. D'accord, madame. Il y a quoi là? Signpost. Ça indique quoi là-bas? Forêt de Svalish Est. Et via la forêt de Svalish Est, son antre se trouverait au sud du coup. Oh putain, là, je suis sûr de pas te tromper. Hein. Et pas grave. Oulala. Oulala. Je réclame votre protection. Oui, je réclame votre protection. La map est trop grande. T'as toujours ces rayons de soleil en pleine nuit là. Ça n'a aucun sens. Dirigeons-nous vers le sud du coup. La logique. On
est sur le bon chemin. On va d'abord suivre la route comme ça. Putain, des chemins tortueux quoi. Morceau de quartz. Ah! Ah, salut! Donc nous on est que des femmes, donc tu peux pas nous avoir. Oh, bonjour. Ah, une femme! Ah, des loups. Eh oui, on est des femmes. Tu ne peux pas nous avoir. C'est la rue. Tiens, cadeau. Alors là, mais la porte est piégée. Quelle diablerie. J'ai pris 7 points d'énergie négative, bon c'est pas. Esclave de la nymphe. Bah, je crois que c'est tes potes miliciens. Hein. Oh, t'es vit dans un arbre, t'es mal à la maison quoi. C'est quoi ce bordel? Allez hop. On va vous calmer direct. Hein. Oh, elle a un trône et tout quoi. Moi j'y crois pas. Ça se trouve, elle a ouvert un OnlyFans, la nymphe. Et du coup ça y est. Oula. Le bruit est trop. Apparemment je crois qu'on a interrompu une partouze. Excusez-moi. Ah il en reste un bout, il reste un bougre. On l'a eu. Waouh. J'ai si mal. J'ai si mal. Bien le bonjour. Ouf, je crois que le mec a mal. Pas porter des trucs toi. Ça se trouve, elle est trop limite, ça se trouve, elle va être en surpoids. Ah mais je suis trop con, moi j'ai gardé Bah oui, voyons. Quel bêta. Quel gros bêta. Ça peut quand même courir. Aïe aïe aïe. L'impression qu'il y a de la torture par ici. Putain mais c'est quoi cette maison quoi. Putain. Sans déconner oh. Où est-ce qu'elle a pris la hache, la mongolo, là. Mais prends pas ça. Mais... Ne sois pas bête. Ce n'est pas ton arme de prédilection. Bon, t'as pas l'air très fut-fut. Ah là là. Faut tout faire. Par contre, quand on va l'affronter, on aura plus de vie.
Ça va être terrible. Bonjour, vous. Bien le bonjour. Tu as si mal. Et pourtant, j'en vois que 3 des mâles. Putain, ça, c'est marrant aussi, ça. Bien le bonjour. Bon, par contre, on arrête les partouzes, là, s'il vous plaît. Je vais me reposer ici, tiens. Je me suis reposé chez vous, j'espère que ça vous dérange pas. La peau de pierre suprême, c'est forcément sur soi. Quelle déception. C'est dommage. On a bien voulu lui filer peau de pierre à la demoiselle. De la viande. Ouf. Alors. C'est quand qu'on a fini là de se balader dans son putain droit, dans son putain de. Sa putain de villa là. C'est terrible! Nous n'avons pas le choix. Les éliminer. Regardez ça. On va la voir. C'est vrai que j'ai même pas arme magique. Quoi. J'ai pas pris. Nous n'avons pas le choix. Il faut les éliminer. Écoute, j'ai pas. Balancer un rayon de soleil. Voilà. C'est même pratique hein, de pas pouvoir mourir. Tout de même. Offre ceci. Bien le bonjour. Alors. Du coup, on a ce qu'il faut. Les cheveux de la nymphe là. Oula, il y en a un qui est en train de se faire la serrer. Sympa l'ambiance. Ah, il y a un coffre. Je n'ai guère vu. Fais gaffe aux dégâts de froid. Okay.
Inspection des coffres, hein, même chez les ennemis. On inspecte tous les coffres ici. Je me suis dit, ils en ont mis du temps. Hein. Je crains d'être trop chargé. Oh. Ultra relou. Voilà. Cadeau. Ah, il y a quelqu'un de vivant. Tu le dors ma faire. Merci, vous savez, je serais tellement reconnaissant. Moi, une récompense serait pas de trop. Malheureusement, rien sur moi, mais vous allez parler à ma femme Tina au village de Barovie, elle vous récompensera sûrement. Sûrement. Mais qui est pas sûr en plus. Ouais, on verra, on est. C'est pas trop. Pour que le. Mes armes ne me seront d'aucune utilité. J'ai si mal. Mais. J'ai pas récupéré une clé tout à l'heure là. Désolé, impossible. Quelle diablerie. Quelle diablerie, mes aïeux. On sauvegarde. Bon, en tout cas, la maison est sympa. Hein. Je penserai à venir ici en Airbnb. Allez, sortons. J'aime bien ce que je quitte la maison et j'entends toujours des mecs faire ah, et tout souffrir. C'est bon, mission accomplie. Allez hop. On retourne au bercail. Voilà, c'est bon. Ah. Ah bah il fait nuit. Et là non. D'abord on va aller au centre. Et on va vendre tout notre pactole là. Oula. Oh là là. Il y a du monde là. Voilà, nous on tue tout le monde. Ah ben, c'est pas vrai ça. Merde. Voilà. Moi je vais vous calmer direct. Bonjour. Je viens voir l'épicier du coin. Alors, faut pas vendre notre équipement de grande qualité. Ok, donc ça vaut genre rien du tout. Bon. C'est une catastrophe. Même pas épée longue plus 1 quoi.
C'est une tristesse. Je suis choqué et déçu. Marie la folle, il fallait aller la revoir, il me semble, parce que j'avais sauvé sa fille. Merci, vous avez retrouvé ma fille, merci. Et t'as rien à me donner, Gertrudza? Ah ouais, mais vous me donnez rien. Quelle bande de radins. Ah, je vous jure, c'est plus ce que c'était. Hein. Baraquement de la milice. C'est vers le sud. Donc on y va. Bon, il y a des maisons là. Bonjour, je suis Jeanne Cardigan. Je vois que vous êtes aventurier, peut-être pourriez-vous m'aider à coup sûr. C'est mon fils Richard, il est parti avec Henry Hartwater camper il y a de cela quelques jours. Depuis, je n'ai aucune nouvelle, s'il vous plaît. Aidez-moi à trouver mon fils, ne vous inquiétez pas. Allez voir Clémence, elle habite dans le sud du village. Je crois que son fils Henry est rentré chez lui. Peut-être pourra-t-il vous aider. Donc, les mecs, ils vivent dans une contrée où il y a genre un espèce de baron démoniaque qui règne en maître. Avec des loups, avec des loups sanguinaires et tout qui se baladent, et eux ils se disent putain tiens, on va aller camper avec les potes quoi. On va prendre 2, 3, 8, 6, des paquets de chips et on va camper quoi. Moi si j'étais toi, franchement, je chercherais même pas à ce qui rentre. Hein. Je lui dirais non mais c'est bon, t'es trop con. Ouais parce que là vraiment, et il n'en rate pas une hein, le boug. Hein. Pour la peine, je te prends ton pinard et tes pièces d'or. Et bonne journée. Bonjour, capitaine Talia. J'ai tué l'un dont vous avez parlé, mais malheureusement, j'ai rien pu faire pour vos hommes. Ah, merci, vous serez éternellement reconnaissante pour cela. Tenez, voici un petit quelque chose pour remercier. J'espère que les hommes reposeront en paix. Oui, enfin du coup comme je l'ai fait, tu vois, il faut que j'y aille. Bon, les dialogues sont un peu chelous. Du coup. Ils se chevauchent un peu. Non, désolé. Impossible. Du coup, j'ai la mèche de cheveux. Dame et de corps, j'ai un demande de votre son fils, elle m'a dit d'aller voir la maison Hartwater dans le sud du village. C'est juste là. Donc on y va. Ok. On va aller faire un tour. Bonjour, alors comme ça on va faire du camping. Alors que c'est le. C'est clairement une région dangereuse de ouf. Je ne vous ai pas permis de rentrer, que voulez-vous? C'est madame Cardigan qui m'envoie, elle n'a pas revu son fils depuis qu'il est parti camper avec le vôtre. Mon fils n'est pas là, il est chez l'apothicaire. Depuis qu'il est rentré, il n'a pas dit un mot, ils sont totalement perdus. Je l'ai emmené chez l'apothicaire pour qu'il puisse l'aider. Sa maison se trouve dans le centre du village. Mais vraiment, c'est super con. Genre, de ouf. Genre, ils ont pas vu, là, la région, genre... tu sais, tu sors de chez toi, tu vois un brouillard rouge, tu vois des zombies et des loups-garous qui se baladent dans les rues. Ah bah tiens, si j'allais camper avec des potes... Vous êtes complètement con. Genre, vraiment. Ça me sidère.
en rate pas une. Attends, tu campes là, bon. C'est déjà chaud, tu vois, parce que comme il y a des zombies à droite à gauche, mais bon, tu campes là, pourquoi pas. Et là, ils vont dans la forêt, carrément. Les mecs sont fous. Ils sont fous. Henry. Éclair, bruit, oh, non. Je suis Armstrong, l'apocalyptique, un village. On n'a pas l'habitude de voir des étrangers ici. Que voulez-vous? J'ai enquêté sur la disparition des chars canadiens. Je venais voir Henry à Twitter. Vous pouvez le voir, il est là, mais il ne dit rien. Ils sont complètement absents. Je vous écoute, savez-vous ce qui s'est passé? Il semblerait qu'Henry et Richard aient voulu faire du camping. Il l'a cela quelque temps. Henry est revenu hier chez sa mère et elle me l'a emmené pour que je les guérisse. J'ai d'autres questions. Savez-vous où ils ont campé? Il semble qu'ils aient campé dans le nord du village. Vous devriez passer. Il y a peut-être encore des indices. À votre avis, de quoi souffre Henry Atwater? Je pense qu'il est victime d'un profond traumatisme. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé, mais ça a dû être très choquant. Depuis qu'il est dans mon établissement, il ne fait que marmonner quelques mots sans qu'une tête. C'est pas dans la forêt, mais ça reste dans le... Je sais pas. Ils sont pas très fut-fut, hein, quand même. Hein. Et elle m'a dit que leur campement était dans le nord du village. C'est quoi ça? Ah, c'est un caillou. Ah là, c'est jaune, hein. Je vous jure. Ils n'en font qu'à leur tête. Maison d'Henrik. Ok. Mais je suis déjà venu là. Je suis déjà au nord du village. Où est-ce qu'il est votre campement, bande d'abrutis? Alors. Ah! Pelle. Une pelle encore recouverte d'un mélange de terre et de sang. Il a sûrement dû tuer son pote. Déposé. Oh, on peut pas l'utiliser. Ah, mais il a dû être possédé par un truc. Et le mec a tué son pote, quoi. Scorch mark. Ah bah heureusement qu'ils sont super légers. Ah. Ça a fait le bruit d'un coffre. Ok, bah, ça a l'air sympa tout ça. Peut-être qu'il voulait jouer, il voulait faire un château de sable ou une connerie du genre, ça a dégénéré. La pelle a ripé. Ah là là. Aucune prudence. On va retourner voir l'apothicaire d'abord. Sur le chemin, donc Il
Ah, il s'est barré. Tony Harvey est parti pendant que j'avais le dos tourné. Je ne sais pas, mais si vous voulez le retrouver, je vous conseille d'aller à la caserne de la milice. Elle se trouve dans la partie ouest du village. Retrouvez le corps de Richard Kernighan, que vous en pensez. Il semble qu'il ait été assassiné. Il a reçu le coup d'un objet comme une pelle sur la tête. J'ai trouvé aussi le corps d'un homme, il semble encore vivant. Ah bon? Peut-être faire quelque chose. Il a essayé de me tuer. Qui êtes-vous? Je suis Henry Atwater. Non, je ne suis pas Atwater. Ah, apparemment, ce vieil homme n'a plus toute sa tête. Oui, très étrange. Je vais essayer de le soigner. Je vous préviendrai dès qu'il tiendra un propos plus cohérent. Qui êtes-vous? Apparemment... Henry a conseillé d'avoir la caserne de la milice. C'est où déjà? Je sais plus où c'est. Non, c'est pas au nord. Poussez-vous. Allez, à l'ouest. Eh ben, c'est un sacré village, hein. Fait bon vivre. Je sais pas si elle va pouvoir beaucoup nous aider, la meuf là, parce que vu qu'elle a plus de milice, elle est toute seule. Plus de ça, elle fout rien, fait même pas des patrouilles, genre elle est là, elle attend. Quelle misère. Capitaine Tralia. C'est très fin, regarde. Nous n'avons pas l'habitude de voir. Oui, ça, on a déjà vu. Je cherche un homme du nom d'un lutteur, ça vous. Je ne sais pas où il est, mais je crois qu'il est dans de sales draps, car on vient d'assassiner une femme du nom de Nina Williams. Et d'après la bonne de cette femme, Atwater sera passé chez elle il y a peu de temps avant sa mort. Je n'ai pas de temps en ce moment. Je serais heureux que vous enquêtiez à ma place. Très bien, j'accepte. Aussi la clé de la maison où Lia se trouve au sud du village. T'as pas le temps en ce moment, mais t'es là avec tes deux chiens de garde à te palucher. Est-ce que tu te foutrais pas un peu de ma gueule quand même? J'ai l'impression qu'on me prend un peu pour un con dans ce module là. On me fait faire les courses. Non mais je vous jure. En plus de ça, le mec a tué quelqu'un à côté de sa maison. Bah, on peut faire un petit détour par la maison à Atwater. Voir si la dame elle a pas quelque chose à nous dire, sa daronne là. Clémence. Bonne chance pour votre enquête. Bah, je te le fais pas dire. Je ne te le fais pas dire. Georges. Ah bonjour, vous êtes là pour l'enquête, vous expliquez-moi ce qui s'est passé. Eh bien, quand j'ai fini mon travail, Henri Atwater est rentré dans la maison. Il voulait voir ma maîtresse, Madame Williams. Et je suis alors parti faire mes courses. Quand je suis revenu, Madame Williams était morte. Ok. Où est son cadavre? Je ne sais pas. Tais-toi, toi. Est-ce que je peux monter là-haut? J'y vais. Mais il y a un zombie! On va lui casser la gueule. Je suis un zombie, comme dirait ce bon vieux maître Gims. Et voilà. On a un coffre. Très bien. Je me travaille toujours avec le cadavre dans mon inventaire quand même. Ça va, c'est pas trop lourd. On fait avec.
extrait du journal d'Ethan Williams. Sur l'intime déchiré froissée avec la page attire votre attention. Le souvenir du Bishop continue de me hanter. Mes trois compagnons sont morts, mais Bishop n'est que prisonnier. Je suis encore une fois passé devant la tour Bowen pour examiner notre œuvre. La tour semble solide et le symbole que nous avons gravé dans la pierre intact. Pourtant, je redoute l'avenir. À cause du terrible serment qu'a fait Bishop de nous venger, de se venger de nous sur notre descendance. Et plus encore, les paroles impies que j'ai dû prononcer pour le neutraliser me font craindre le jour de ma mort. Mais c'est à moi qu'était échu son livre de Karna Magos. Et c'était donc à moi que revenait d'invoquer les forces ténébreuses dont il était le serviteur. Traité avec de telles forces a souillé mon âme et j'en ai gardé la terreur en tout ce qui est mystère. C'est pourquoi je n'ai pas osé prononcer les mots interdits adressés aux marcheurs qui auraient provoqué la mort de Bishop et débarrassé définitivement le monde de ce fléau. Coquin. Il semblerait qu'un soit impliqué dans cette affaire et Maison William se trouve dans la partie sud du village. Salutations. Ok.